Salutations à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à un son de Booba qui est sorti, voilà, en soum soum. Il n'a pas fait, il n'a pas annoncé ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Je crois qu'il avait annoncé hier, avant-hier, un truc comme ça. Et petit coquin, il l'a sorti il y a même pas 3 heures. Il y a même pas 3 heures, il a balancé ça normal. Et il a dû le sortir vers 17h, 18h, un truc comme ça. Et voilà, on a un nouvel extrait inédit de Ultra qui sort 5 mars, donc demain. Donc le son, c'est Mona Lisa featuring DA6. Ce qui est intéressant, je suis allé voir les prods dessus. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a une prod qui est... Déjà, le truc qui est chelou, c'est que dans les crédits, on voit que au niveau de la production, c'est écrit... Réalisé par Steve Madd, Annie Beats et Booba. Ok. Sur d'autres crédits un peu plus détaillés, on a Nassi, Steve Madd, Annie Beats et on a Keina Samet. D'où ça sort? D'où ça sort, mon gars? D'où ça sort? Ça qui est étonnant. Il n'y a même pas. Soit c'est un sample. Soit c'est un sample. Ce serait peut-être étonnant. Mais c'est chelou, je sais pas, c'est étonnant d'où il sort le nom de Keina Samet, en tout cas sur d'autres crédits. Mais voilà, allez, on s'écoute ça tout de suite. Bon, vas-y, on passe vite fait. Allez, vas-y, je vais faire ma base, j'ai mis d'un côté. Alors, on a Nassi qui a produit pour Team BS, Medine, Niro, Kendi Girac, Lagerino. On a Keina Samet, on connaît, hein. Pas de c'est pas nouveau, hein. Que du c'est que du populaire depuis bien longtemps. On a Steve Madd qui a produit pour NASA, Eva, Bramsito, TK et oh mon dieu, Salva et ouais, NASA. Et on a qui? On a Anibis qui a produit J6, Pompé, Acharné, Assiste, ISK, TK. Bon, il est un peu aussi dans le secteur, donc les gars, ils sont dans le coin. Allez, vas-y, on va pas attendre plus longtemps. Un nouvel extrait. Est-ce que ça va nous donner une couleur différente pour je vais pas le mettre en plein écran. Donc ça, on va bien voir le clip entièrement. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Allez, on va repouler un peu. Oulala, on est en AC Milan. On connaît ce que c'est AC Milan. Hein, le premier clash véridique de Booba, je crois. Déjà, c'est très très propre. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il peut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu des amis, des frères. Ah, c'était ça alors la story. La story qu'on voyait partout. Je vais m'endormir à la mort. Je vais d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un beau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils. Nous dire qu'ils sont papa. La hagra ça paye pas. Apparemment si j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la cible. Bien, c'est grave quoi. Ton étendard t'a menti. Pablo Escobar sur la peau. Tu ressens faire un yankee. Ce matin côté rondelle. Paquet flottant cocaïna. Un cheat code pour la crypto. Mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant. Ou ça va tourner au drame. C'est la première fois que je vois Booba en mode comme ça. Radio Six, il est chaud gars. Ça c'est rien ou quoi? Putain, énorme clip. Là, il a mis les moyens pour celui-là. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant que ça va tourner au parti en Amérique du Sud ou quoi? Ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ivo. Ah là là, c'est très très chaud. Tant que le ciel est avec nous, parlez ne m'intéresse pas. Je préfère tous les mettre à genoux. On a une différente couleur de Ultra maintenant. Pourtant j'ai grossi la Honda. GSX, numéro 10, Madonna. On a fumé l'espoir. Faut toucher du bois. Faut que t'en as plus de pouvoir. Chez moi c'est le bal qui va. Putain, c'est bouche. Putain,
ma gueule pour ce clip. Faudra les fumer avant, ça va tourner en drame. Diallo m'a pris 200 E pour un gré-gré contre les balles. J'suis tellement loin, je suis tiré de la robe. J'vois tout en mouvant PayPal, miné dans mille et en dernier. C'est tellement lourd. Pas de sang, pas de révolution. Pas du sens issu au sommaire. Comme dans chaque exécution. Franchement, c'est du bon booba. T'es choqué par le clip, t'es choqué par le son. Il ramène un autre type de son, il fait la tendance. Mais voilà, c'est du propre, c'est crame du propre. C'est super lourd. Mais j'aime de suite. Oulala. Déjà, mais j'aime de suite. Déjà, ce son, je pense que si tu retournes, tu le retournes 5-6 fois, il va rentrer dans la tête, il va plus bouger. Je pense. Ensuite, clip de ouf. Il a investi, il a mis les moyens et ça, ça fait plaisir parce que on n'a pas vu des gros clips depuis un petit moment. Il a fait ses clips propres et tout, mais investir sur des paysages d'ailleurs, ramener des visuels de ouf, des drones et ramener tout ça, non, parce que je sais qu'il est habitué à faire des drones, des très bons clips, mais pas avec un visu qui est différent d'habitude. Et là, ça fait plaisir. Le son, il est mélancolique, il est un peu lent, doux, tranquille. Ça raconte une petite histoire et c'est j'aime bien. Franchement, ça donne une autre couleur à Ultra. Franchement, il a tellement de couleurs sur cet album, je sais pas, avec le son de Barbie Girl, ce son-là, les sons qu'il a balancés auparavant, etc. Franchement, il peut avoir un gros album complet, vraiment, vraiment massif en termes de diversification, de son, de prod. De type d'autotune, c'est bien. Là, ça, il m'a fait plaisir. L'autotune, il l'a pas dosé comme un taré. Et ça a super bien fait. Franchement, le son, il est tellement propre. Je sais pas si je suis plus choqué du clip ou du son. Ou les deux. En tout cas, c'est le genre de booba que je kiffe. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On valide totalement. Et bah après, il n'est pas rentré en tête encore. Mais je sais que je vais le remettre en boucle. Ça va être une dinguerie. Et ouais, l'album il sort demain. Voir qui dans quelques heures à minuit. Je sais pas s'il va le balancer à minuit directement. Logiquement, oui. Mais en tout cas, si c'est le dernier, on espère qu'il y aura du très 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 sale encore derrière. Et voilà. On se quitte dessus, c'était du très très bon son, voilà, on valide. On est avec les pirates, flow incroyable, très très chaud, très fort le duc, peu de chance que vous me voyez, mais je fais, ah, ok. C'est la ducance, on t'a dit, le père de toutes les générations, toujours. Je dis, la piraterie n'est jamais finie depuis la Côte d'Ivoire, on t'écoute, force short, force à eux. Est-ce qu'il va vraiment arrêter? On va voir. Peut-être sous une autre forme. Ouais, le mec il va balancer toujours des sons même s'il arrête vraiment sa carrière en album, mais bon, voilà, j'en parle plus, c'était très chaud, voilà, on va pas détailler plus, c'était chaud, voilà, peut-être une réaction d'album quand ça va sortir. Ah, ça, il va falloir bien mettre ça, bien mettre les points sur les i, les barres sur les t, quand ça va sortir, ça va être chaud, ma gueule. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.